les installations et configurations de Active Directory. Les installations et configurations de Active Directory. Ah bien. On tape Windows R. ncpa.cpl et puis on va vérifier directement l'adresse IP qu'on a fixée avant de lancer les configurations. On doit désinstaller tout l'ancien configuration pour qu'on puisse directement bien faire le travail. On va aux propriétés IPv4, propriétés encore. On va voir directement l'adresse dans laquelle il était fixé. Il est ici là. On va au DNS. Il n'y a presque rien. Alors, de ce fait, on va directement commencer la configuration. Adresse ni kendi sa habitezi awe. Adresse ni loa. Adresse ni tiaban halin. Rengenuti ni adresse za rozgur ngadan na benin di sa habitezi awe. Vamos a trabajar con esa instalación, la junta para la 3.1. Slash root hot, se transmite. Voilà, on va changer ça. La slash 24, on va mettre un impact. On peut avancer ici là. L'adresse qu'on va utiliser, c'est une adresse de slash 27. Dès qu'on a terminé directement, on va sur Windows R, on va taper cmd. On va faire ping à notre adresse. Ping 192.168.1.1. Après avoir vérifié directement que notre adresse est bel et bien mise sur place, on va directement entamer. Pour voir toute la configuration, on peut même taper ipconfig. On voit bel et bien que notre adresse IPv4 est le 192.168.1.1 masque de ce réseau 255.255.254.224, pardon.
Alors, on va directement quitter. On va commencer notre première installation. On voit directement gestionnaire de serveur. On clique OK. Après, on va cliquer Role. On va développer Role. Après, directement ajouter Role. On commence directement à installer Active Directory. Le protocole Active Directory, il distribue les adresses IP d'une manière automatique à les machines dans notre propre réseau. Nous cliquons suivant. Et puis nous continuons suivant. Et là, vous voyez, on a déjà arrangé adressé nos cambalés du tour de choses directement à mes cartes RAID. Alors, adresse parent, car si tu as un commandant qui a installé directement DNS. Et puis, suivant encore. Et là, on a l'énergie, si j'ai ajouté, je peux juste encore étendu DNS. SVR. -26 DHCP DHCP. Puis notre adresse de départ est 192.168.1.1. Notre adresse fin c'est 192.168.1.30. Ok, là je m'en garde par le cahier, on vérifie plus tout ce qu'on a besoin. Notre masque sur ce réseau c'est 255.255.255.224. La serrure par défaut, ce sera la même. C'est le 192.168.1.1. Notre bail est de 6 jours. La bail, les dati kayao, on est machiné à tout l'aise, manquenga. Il dirait combien de jours il y a la demande de configuration d'accès tout le monde. Alors, on risque de cliquer directement. OK. On va cliquer OK. Avant de m'adhérer à ajouter notre propre étendue. Donc, directement, on risque de continuer. On va cliquer Tena IPv6 par CTA. Et après, on clique Installer. Je vais vous donner une définition de la maison.